On continue. Oui, continue, je ferai le montage. Ouais, vas-y, ok, 3, 2, 1. Yo les gens, comment ça va? Moi je vais très bien, je me retrouve en compagnie d'Épée Fort, Little Cookie et Monsieur Loked et Do63, comment allez-vous les gars? Ça va. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une annonce, plutôt une vidéo d'assez d'excuses parce qu'on a subi une attaque mortellement fatale pour le serveur lors d'un event organisé par Épée Fort qui était d'un UHC à 100 personnes. Malheureusement, le serveur n'a pas survécu suite à une attaque qui était apparemment organisée et prévue suite à l'annonce de l'event. Donc voilà, on veut juste s'excuser et vous informer que tout ça va bientôt changer. On va instaurer une sécurité qui sort carrément d'OVH. On va ramener un partenariat externe qui est d'une boîte assez sympa et très gentille, dont on connaît bien les membres. Et on tient juste à dire que ceux qui ont fait ça vont être retrouvés, parce qu'on a déjà des gens sur place qui sont en train de voir vos IP, pour ceux qui ont fait ça, et les conséquences vont bientôt tomber. Si vous recevez une lettre par la poste comme quoi vous êtes convoqué à une cour de justice, au tribunal, c'est normal, c'est parce que vous avez fait les cons. Bien sûr, les preuves seront ramenées, donc vous n'allez pas vous déplacer pour rien, vous allez devoir malheureusement payer vos actes. Ça sert d'exemple pour tout le monde, pour tous ceux qui... pour tous ceux... pour celles... tous ceux, excusez-moi. Tous ceux qui veulent faire ça à n'importe quel serveur, que ce soit Hypixel, Epicube, bon Hypixel ça ressort d'un autre domaine, Epicube qui eux sont un serveur très exa vraiment exemplaire dont on devrait tous prendre Prends exemple. l'exemple. Ils ont la même manière de fonctionner, on va dire. Enfin d'abord il faut réussir à les down, mais ça ressort, c'est dans un autre sujet. J'ai juste à vous dire que les conséquences en suivent, puis sur ce, pour la communauté, rien ne va changer, c'est juste niveau législation, on Ouais. va mettre au point quelques petits trucs. Voilà. Donc pour le serveur, strictement rien ne va changer. Ça ne changera rien à nos partenariats. Ça ne changera rien à nos projets. Nous avons toujours beaucoup de mini-jeux en préparation. Là, nous allons ressortir justement une grosse grosse mise à jour de sécurité network et carrément l'optimisation du network complètement. Sachez qu'on va passer sur notre API V1.1. Donc on va changer la sécurité, on va passer sur un new payload. On va instaurer plusieurs bungee cores, enfin plusieurs proxys. Donc sachez qu'il va plus. On sera, je dirais pas intouchable, mais on aura une sécurité vraiment vraiment renforcée. Voilà. Voilà, et je veux juste communiquer les conséquences de cette attaque des DOS, malgré le fait que ça a gâché un event qui aurait pu être génial, parce qu'on a une... Qui je souligne, qui cet event ne sera reproduit avec la meilleure sécurité. Exactement. Qui était avec une communauté vraiment merveilleuse, un youtubeur, des youtubeurs, parce que tu Épée Forte n'était pas le seul. Il y avait tant bien des petits que des moyens et des gros. On parle pas de poids ni autre chose, hein. On parle bien de nombre d'abonnés. Et honnêtement, tout ce que ça a fait, à part gâcher cet événement, je redis, c'est que ça a renoué nos liens, ça nous a soudés. Et ah oui, bah merde. Vu que j'ai perdu. Clairement, on a un gros coup de motivation. Ouais, le flingue est not enable parce que on a enlevé mes grades suite à des tests pour voir si je pouvais venir avec un world downloader. Donc oui. Du coup, on tient à remercier Épée Fort d'être en soutien avec nous, qui est là pour nous écouter et de temps en temps nous donner des conseils. Ah, Merci à on toi. remercie à lui, hein, on remercie. Non, de rien. Puis, il faut savoir qu'on est toujours à l'affût de vos questions et vos commentaires pour corriger notre serveur. N'hésitez pas à en poser dans les commentaires d'ailleurs. Et je laisse le dernier mot aux autres administrateurs ou à Épée Fort si vous voulez dire quelque chose. Non, moi j'ai rien à dire, c'est juste que, bah, comme tu l'as dit, moi j'ai rien à dire, je suis en train de le dire, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est juste que, ils vont payer gracieusement, ce qu'ils ont Et fait ce soir. je précise Ils aussi. vont même contribuer au développement du serveur. Franchement, c'est pas plus mal, C'est hein. un bien pour c'est un mal pour un bien, on va Ça, dire. ouais, voilà. Ouais. Mais je précise quand même que c'est un peu vraiment dégueulasse ce qu'ils ont C'est fait. franchement, Vraiment, honnêtement, je trouve c'est gamin. je trouve C'est ça un gamin. peu inadmissible de se comporter ainsi. Normalement, on a une équipe, tout ça. Enfin, je suis désolé, mais moi je trouve ça inadmissible, dégueulasse de faire ça à un serveur alors qu'on fait un projet, on fait ça pour les joueurs. Et je sais pas qui sont les coupables, mais en tout cas, s'ils se connaissent sur la vidéo, vraiment, je trouve ça dégueulasse parce que voilà, c'est comme si vous, par exemple, vous faites un projet, une vidéo, quelque chose dans le genre, et que quelqu'un bah, vous détruit ce projet. À mon avis, ça vous plairait Mettre pas. des bâtons dans les roues, Donc, quoi. alors pourquoi faire ça? Je ne comprendrai jamais. Je suis vraiment.
outré de ce qui s'est passé et aussi choqué et très déçu. Mais Ouais. heureusement, bah, voilà, qu'on va reprendre ça et qu'en plus, grâce à cela, on va évidemment, la sécurité sera beaucoup plus améliorée. Évidemment, le serveur continue à se développer, tout ça. Voilà. Moi, je tiens à ajouter un dernier petit mot là-dessus. C'est que de un, oui, la sécurité va être vraiment améliorée, Loquette, mais sachez que cela ne va rien changer au développement du serveur et que justement, du coup, ça a remotivé carrément toute l'équipe. Donc, honnêtement, enfin, la prochaine fois, vous pourrez vous amuser, mais ça vous retombera encore une fois de plus, enfin, sur vous. Donc, après, honnêtement, enfin, commencez pas à jouer à ça parce que dans tous les cas, vous serez perdant. Et Voilà. déjà, de plus que ce soit inadmissible et complètement immature de votre part, cela ne changera strictement rien à l'avenir de Definity Network. Donc voilà. Nous sommes soudés, nous sommes une équipe et nous sommes là, bah, évidemment, Nous pour... sommes une communauté Voilà d'ailleurs. ça. C'est pas parce qu'on est administrateur qu'on est hors du commun, je tiens à le préciser. On joue tous à Minecraft, on va tous sur des serveurs connus. On est des joueurs normaux, avec un projet qui tient à cœur pour la plupart des admins et la plupart de nos youtubeurs et de notre staff. On s'investit le plus possible pour que vous puissiez passer du bon temps chez nous. Par ailleurs, pour ceux qui se demandaient comment on a eu les informations pourquoi c'était prévu, un joueur bien aimable qui pourrait probablement être le coupable, mais je ne pense pas vu toutes les informations qu'il nous a données, c'est des fondateurs de serveurs qui ont une liste de serveurs à down, à DDoS, et à faire Ouais, nous échouer. étions dans cette Donc, liste-là. on est dans cette liste-là, et puis QB aussi, on compte communiquer avec chez Kavia pour l'avertir de tout ce qui se passe. D'ailleurs, on te remercie d'être passé sur l'event pour dire un petit coucou en fin de compte. Et par ailleurs, on pense bien que ça va être leur dernier acte, pardon, parce qu'on sait très bien que c'est pas leur premier. Et ça va être corrigé, ils vont plus pouvoir le faire. Sur ce, merci d'avoir Donc, regardé voilà. cette vidéo. Merci à toi, Épée, d'avoir enregistré avec nous et d'être aussi soudé avec nous, de faire grandir ce serveur. On peut bien t'appeler papa, même avec ton âge et tout ce que tu fais. Et sur ce, les gars, bonne journée. Eh bah, bisous, Ouais. bisous, Bonne hein? journée. Bisous, bonne Bisous, journée à vous bisous. tous. C'est ça. Bisous, bisous. Oui!